1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, par ton sang précieux, que la racine du péché en moi soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que la racine du péché dans mon sang, dans mon cœur, soit arrachée, soit arrachée, soit arrachée, soit arrachée par ton sang précieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, fais de moi citoyen de ton royaume, citoyen de ton royaume, que l'arbre de vie soit planté dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous voyez, quand Adam a péché, le Seigneur a dit, il ne faut pas qu'il reste là pour ne pas manger les fruits de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, ce n'est pas pour celui qui vit dans le péché. C'est pourquoi il plante l'arbre de vie dans nos cœurs, dans le cœur de celui qui est citoyen du royaume. Parce que c'est nous qui avons l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est dans ton cœur, moi, il ne peut pas le toucher. Chacun a pour lui. Alléluia. L'arbre de vie, ce n'est pas après la mort. Seigneur, Seigneur, ce matin, que tout péché en moi soit détruit par la puissance de ton sang. Au nom de Jésus. Prépare-toi, on prie sérieusement. Seigneur, 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 par ton sang, par ton sang, par ton sang, que le péché, les racines du péché, de la colère, soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit arraché de mon cœur. Que les racines du péché, du mensonge, soient arrachées, soient arrachées, soient arrachées, soient arrachées au nom de Jésus. Que les racines du péché, du vol, de l'impudicité, de l'adultère, soient arrachées, soient arrachées, soient arrachées de mon cœur au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui ne prient pas. Augmente un peu mon micro. Il y a des gens qui ne prient pas, qui jouent, qui jouent, qui jouent. Seigneur, Seigneur, je veux mériter d'être citoyen de ton royaume pour manger le fruit de l'arbre de vie et que mon âme soit dans ta lumière et que la lumière de Dieu éclaire mon âme tous les jours. C'est pourquoi que tout péché de mes parents, le péché de mes ancêtres qui étaient en moi, soit arraché ce matin, 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 soit arraché ce matin,
Au nom de Jésus, toi, péché de mensonge, de colère, de rancune, de calomnie, quitte ma vie. Quitte ma vie. Péché de convoitise, péché de la chair, quitte ma vie. Désir de la chair, quitte ma vie. Quitte ma vie. Car je dois profiter de la protection des anges, de la protection de mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi Satan, désormais, je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis citoyen du royaume des cieux. Satan, vous les démons, désormais, je suis citoyen du royaume des cieux. Et le nom de Jésus est écrit sur mon front. C'est pourquoi tout ce que vous avez programmé dans ma vie, je détruis par le Père de Dieu. Je détruis par le Père de Dieu. Je détruis par le Père de Dieu. Toi, mort prématurée, je suis citoyen du royaume des cieux. La mort prématurée n'a plus accès à ma vie. Je vais mourir quand Dieu le voudra. Maintenant, mort prématurée, quitte ma vie, 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 au nom de Jésus. Toi, montagne de l'échec, je suis citoyen du royaume des cieux. Aucun échec ne peut tenir devant les citoyens du royaume des cieux. C'est pourquoi, comme le Seigneur l'a déclaré, toi, montagne de l'échec, au devant de moi, sois écrasé. Au nom de Jésus, échec dans ma vie, échec dans mes finances, sois brisé, 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 montagne d'échec, montagne d'échec, devant mes enfants, je te brise, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus. La Bible déclare, il n'y a aucune malédiction pour les citoyens du royaume des cieux. Pour les citoyens du royaume des cieux. C'est pourquoi, toi, malédiction de mes ancêtres, qui me suis depuis, je brise tout lien entre toi et moi, par le Père de Dieu, je brise tout lien, 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 au nom de Jésus. Malédiction de sorcellerie. Mes parents, dans leur ignorance, ont adoré la sorcellerie. En adorant les idoles, ils ont embrassé la sorcellerie. C'est pourquoi tu crois avoir le pouvoir sur moi. Ma Bible déclare, Jésus-Christ a pris sur lui à la croix toutes mes malédictions. C'est pourquoi toi, malédiction de la sorcellerie, tu quittes ma vie, tu quittes mon âme, tu libères mon esprit, tu libères mon esprit, tu libères mon esprit, tu libères mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne mange plus aucune nourriture de la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que toute nourriture de la sorcellerie qui me sera envoyée
un songe dans mes rêves, à mon âme, la nourriture est renversée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je renverse. Je renverse. Mon âme renverse la nourriture de la sorcellerie. Au nom de Jésus, mon âme renverse. Mon âme renverse. Mon âme renverse toute nourriture de sorcellerie qui sera envoyée à mes enfants. Au nom de Jésus, toi, esprit de sorcellerie, j'adore l'Éternel. J'adore Jésus-Christ. J'adore le roi des rois. J'adore le tout-puissant Dieu. J'adore le Seigneur des seigneurs. Toi, esprit de sorcellerie. Toi, esprit de sorcellerie. Je saisis les peines de Dieu qui est esprit comme toi. Et je te tâche. Je saisis l'épée. Je la mets à ma bouche. Comme l'épée à la bouche de Jésus. Et je te taille. Je te taille. L'esprit te taille. L'esprit de l'épée de Dieu te taille. L'épée de Dieu te taille. Au nom de Jésus. Que toute personne derrière cet esprit se convertisse à Christ. Seigneur, 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 que toute personne qui incarne cet esprit se convertisse à toi. Mais s'il refuse à cause de son alliance avec Satan et qu'il veut me tuer, il veut tuer mes enfants, que l'épée de Dieu s'abatte sur lui, s'abatte sur lui. Ta parole déclare, celui qui mène en captivité sera mené en captivité. Et celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Je déclare, tout esprit de sorcellerie qui vient dans les airs pour s'attaquer à moi, qui prend la forme d'un animal, soit taillé par l'épée de Dieu. Soit taillé par l'épée de Dieu. Sois taillé par les pieds de Dieu. Il vient comme un serpent, comme un pigeon, comme chauve-souris, ou comme un oiseau. Il vient comme alors un scorpion, comme tout animal. Que l'épée de Dieu le taille. 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 Au nom de Jésus. Que toute sorcellerie qui s'élève contre mes finances, contre ma vie, contre mes affaires, contre mes activités, soit frappée par l'épée de l'Éternel. Par l'épée de l'Éternel. Par l'épée de l'Éternel. Éternel, c'est le temps de la victoire. C'est le moment de me réjouir. Je suis citoyen du royaume. C'est pourquoi tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été volé, j'arrache maintenant. Mon âme arrache. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, que tout complot qui se forme contre moi dans le spirituel, sous les eaux, sous la terre, dans les forêts sacrées, dans les cimetières, soit détruit, soit annulé par le sang de Jésus, soit annulé par le sang de Jésus, soit annulé, 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 soit annulé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur, tu nous donnes le pouvoir à nous. Citoyens de ton royaume, tu déclares, tout ce que nous allons lier sera lié. Tout ce que nous allons délier sera délié. Seigneur, la nuit est un temps de repos pour moi. La nuit est un temps de repos pour moi. Que tout sorcier, que tout démon
que tout agent de Satan qui se lèvera contre moi soit lié au nom de Jésus. Soit lié, 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 soit lié au nom de Jésus. Seigneur, je suis citoyen du royaume. C'est pourquoi, quand je dors dans ton royaume. Je me réveille dans ton royaume. C'est pourquoi que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu me protège. Ta parole déclare, étant citoyen du royaume, ma vie est cachée en toi. Or la Bible déclare, l'Éternel, le Dieu vivant, est un feu dévorant. Le royaume des cieux est un feu dévorant. Je dors dans le feu, je dors dans le feu, je dors dans le feu. Et je déclare que le feu du royaume consume les ennemis, les sorciers de ma famille paternelle qui se lèvent contre moi. Que le feu du royaume les consume. Le feu du royaume les consume. Le feu du royaume les consume. Seigneur, je ne sais pas si tu comprends. Hein? Nous sommes dans le royaume. Le royaume, c'est Dieu lui-même. Dieu est un feu. Donc, on dort dans le feu. Mais le feu dans lequel nous dormons, il brûle nos ennemis. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus-là? Oui! Il est bon, il est bon, il est bon. Là où je dors, tu ne peux pas rentrer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta parole déclare. Ma vie est cachée en toi. Oh, toi, tu es le feu dévorant. Ma vie est cachée dans le feu dévorant. Mais le feu dévorant, il consume mes ennemis qui se lèvent contre moi. Au nom de Jésus. Bien, mais quand tu pries, il ne faut pas dire. On a vu ça pendant la veillée. Il faut prier à ton cœur. Seigneur, que le feu dévorant que tu es, le feu que tu es, consume, consume les œuvres des sorciers dans ma vie. Tout ce qui est planté dans ma maison par les sorciers soit consumé à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, par le feu dévorant, par le feu dévorant. Par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant. Tout ce qui se trouve sur ma maison, tout ce qui se trouve dans mes habits, tout ce que j'ai mangé comme poison du monde de la sorcellerie, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Par le feu dévorant. Seigneur, ce matin, je me réjouis en ton nom. Je me réjouis en ton nom. Que tout pouvoir des principautés sataniques soit brisé au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ma vie change. Ma vie connaît une transformation. Je ne serai plus la même personne. Hier, yeah. Satan me manipulait parce que j'étais ignorant. Mais maintenant, que j'ai la connaissance de la parole, je mets de la victoire sans crainte. Je mets de la victoire sans crainte. Au nom de Jésus, toi, 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 Satan, écoute-moi. Là où je dors, tu ne peux pas entrer. Car je dors en l'Éternel. Maintenant. Maintenant. Seigneur. Que ton épée ne s'arrête pas. Tant qu'elle n'a pas découpé. Tous ceux qui se changent. Pour venir contre moi.
Que l'épée ne s'arrête pas. Quelle est taille? Quelle est taille? Quelle est taille? Quelle est découpe? Elle est découpe. Quelle est découpe? Quelle est découpe? Sans jamais s'arrêter. 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 Quelle est taille? Sans jamais s'arrêter. Quelle est découpe? Sans jamais s'arrêter. 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 Seigneur, tout poison qui m'a été envoyé, ou tout poison que les sorciers vont m'envoyer, force-les à boire ce même poison. Au nom de Jésus-Christ, force-les à boire ce poison. Et que ce poison les tue eux-mêmes. Que ce poison les tue eux-mêmes. Que ce poison les détruit eux-mêmes. Que ce poison les détruit eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On s'assoit. J'invite ici Stéphane et puis à la Stéphane, la sage. Elles sont venez, 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 venez rapidement. Je termine par ça.